Bonsoir, bienvenue pour suivre Bulletin Nouvelle pour aujourd'hui, vendredi, le 19 avril. Nous pouvons commencer avec bonne grand titre, pareil l'habitude. L'IRMD y confirme que la première phase de travail pour casser sa rose qui peut poser un danger l'ignol interminé. L'incident soupçonné gaz une vie en situation de sécurité et tout bon partenaire concerné peut travailler ensemble pour amasser plus d'informations et continuer avec toute l'enquête. C'est Célinti et l'accord avec Como pour renforcer notre relation dans le domaine de la paix, sorti dans une rencontre annuelle que le ministère pour la paix et l'économie l'a inorganisé. Fabiana Belize remporte la coupe président dans la cérémonie graduation d'un étudiant à l'Institut de technologie SIT. Et d'habitude, nous avons aussi un reportage sur les seuls hommes qui gagnent 100 ans aujourd'hui. À présent, on passe le bon détail. Ces officiers division gestion risque et désastre d'IRMD, Daniel Setoup, il confirmait que la première phase de travail pour casser sa rose l'ignol qui peut poser un danger pour bon dimon de cet endroit. Il terminait. Il fait ressortir que ces zoologistes locaux, ensemble avec un sorti la réunion, qui a déjà fait une observation préliminaire dans cet endroit et aussi dans les autres endroits. Vous expectez un autre groupe expert rentrer dans le pays pour faire les autres études et pour confirmer qui prend ses décisions, qui pour prendre concernant sa rose. Et là, nous pourrions faire particulièrement concernant l'ignol qui détermine que sa rose est instable et peut poser un danger pour la sécurité, l'infrastructure et aussi bandimon qui reste dans sa région. Il y a des décisions qui prennent pour casser sa rose. Première phase, une finie qu'il fait, et il n'assesse pas nous géologistes locaux, M. Jean-Luc Mondon. Entre temps, qui sa bonne nouvelle, c'est qu'il fait, gouvernement, qui a une consultation avec un groupe un geotech company, basically, nous peut cause ben des gens qui expert dans ben issues qu'il a pour faire avec stabilisation. La terre ou au terrain et finalement zot nagré pour vin loin mission Cécile pour renforcer l'urban findings qui tin gay fait déjà et extend sa assessment tous les tout mai et possibilité pralin éclaté aussi so zot focus plus ou moins l'urban landois qui nous tin déjà pas là côte zot de venir ici pour valider nous ban findings qui tin déjà gagne fait et propose si en a possibilité les autres procédures mitigation qui besoin gagne fait et pareil tin gagne annoncé déjà si a tienne sa évaluation par géologiste et only après que ça tin validé ça qui tin déjà fini gagne voir qui là pour déterminer what would be the next step pour ça issue was l'ignol mais c'est maintenant virage public qui tout ça l'ouvrage qui nous peut faire li prend compte terrain Cécile son géologie qui un petit peu unique given the fact qui nous un pays granit nous un île granitique et ça ban l'incident lately avec ban l'intensité la pluie nous voyons augmenter. So nous avons une nécessité, une priorité pour nous tackle ça ben issue là bonheur. Despite que nous avons certains ouvrages qui commencent à faire des dépasser, mais nous pouvons renforcer l'eau là. Et DRMD il aussi dit que ça ben l'incident soupçonné gaz qui peut arriver dans le pays depuis les 8 mois. Il vient comment en situation sécurité, ça une sortie d'une conférence la presse qu'il fait après-midi. Il aussi confirmé que pendant sa dernière des jours qu'il passait, il n'a pas aucun rapport sur l'incident l'ODS soupçonné gaz qu'il a rapporté. Nous restons alerte pendant que tout bonne investigation peut arriver. Et pendant ça bonne temps aussi, nous profiter pour nous renforcer, nous faire son travail, revoir quoi qui t'y peut marcher bien et quoi qui nous cas améliorer pour nous déterminer façon plus effective de la façon que nous peut répondre tout ça situation. So Paris ministre il annonce de l'assemblée ça issue in guy raise pour vin issue sécurité et despite qu'il y a issue sécurité
response leivin pou bandi moun ki pe gen affecté e gen coordiné par DRMD et nous maintain un high niveau of alert et nous le standby pour si en cas y en a aucun sabani chose qui levé et nous en a un close collaboration avec tous nos bons partners que nous quotidiennement pe partage l'information. Nous focus y rester le nous l'objectif primordial pour nous identifier quoi qui peut affecter bandi moun et qui sont l'origine. Despite qu'il y a un ça l'aspect sécurité avec, mais nous nos scope il permet nous pour nous capables comprendre quoi qui bandi moun peut gagner affecté pour nous capables déterminer nos réponses plus bien. Qui nous avons renforcé là en ce moment, c'est qui nous avons dit moun Paris au pécorporé pendant sa dernière semaine et jour qui nous passé. Nous avons dit moun qui maintenir ça et qui nous maintenir un high level of alert et safety en termes préparation pour ces hommes et saban issues y arrive encore qui nous a déterminé vraiment quoi qui nous pouvons faire from there. Pour coordonner une solution isant pour améliorer stock ton zone dans l'océan Indien, il y a une bonne topic principale qui différents représentants secteur la pêche et l'économie blé dans bon pays sud-ouest l'océan Indien in discuté dans une rencontre aujourd'hui beau matin. Pendant sa rencontre, Céline aussi signe un accord avec Comore pour renforcer plus notre relation dans le domaine la pêche. Le côté CCL, c'était ministre pour la pêche et l'économie blé, Jean-François Ferrari, qui signe à l'accord avec directeur général pour la pêche Comore, Ali Mohamed Youssouf. Ça l'accord, il y en a l'objectif pour formaliser les relations entre ces deux pays et collaborer ensemble dans le secteur de la pêche. Avec Comore, il y a pas autant que nous travaillons, nous avons certaines difficultés avec eux. Par exemple, nous connaissons un bon cas de la pêche illégale. Mais bateau comme on y a qui vient dans la Guadeloupe d'abord pour jeter la pêche, ça c'est quelque chose qui nous visait en un framework qui nous met à terre pour qu'ils nous capables de gagner coopération avec Comor pour empêcher qu'ils aient arrivé. Pareil dernièrement les man malgas qui fait la pêche au baran nous sommes aujourd'hui dans Manzil dans Providence. Les autres n'arrivent pas des Madagascar, ils sont dans le cas, ils sont dans la prison. À cause d'un an, elle accorde prison, on a une relation avec Madagascar qui fait qu'ils ont pas souci. Aucun quelque chose qui a fait contre un autre partenaire et nous partenaires avec Madagascar. Donc aujourd'hui, mon content que nous signons l'accord avec Comore pour nous formaliser nos relations et pour nous faire signe que tout quelque chose qui a fait droit dans les territoires des pays. Sa signature est faite pendant une rencontre avec les officiers seniors sortis de différents départements de la pêche dans le pays sud-ouest de l'océan Indien que nous avons discuté de solutions ils ont pour améliorer cette zone. Sa bon pays y inclut la Tanzanie, Zanzibar, Kenya, Madagascar, Comore, Maurice et les autres partenaires dans le secteur de la pêche CCL. Ministre Ferrari dit sa rencontre est pour renforcer coopération et collaboration entre Commission Ton, l'Océan Indien, IOTC, et prépare une stratégie qui sont d'accord là pour prochaine rencontre IOTC. Nous avons discuté avec les autres, les certaines mesures qui nous croient, nous devons être capables de défendre. Qui dans l'intérêt nous tout nous la pêche tout ça bon pays. Par exemple, il y en a un pays qui dit qu'il faudrait arrêter la pêche complètement l'eau fade pendant 3 mois. Nous dit nous on a bonne responsabilité localement, nous on a une factory pour nous faire masser, nous parer pour nous considérer tout ça bon point. Par exemple le bon fade, mais seulement nous vous avons fait aller de bonne façon graduelle. Les autres exemples, il y en a qui les réduit la quantité quota. Tout ça, là, c'est une décision qui pourrait mettre devant. Pendant sa rencontre, Zotin aussi explore sa question de gestion soutenable et conservation des ressources dans l'océan Indien. En tout, il y en a 3 résolutions qui s'essayent de mettre devant, en comptant toutes les formations, la pêche nécessaire et ça qu'ils ont appelé bycatch. Il y a la pêche qui la pêche avec Pollen Line, qui ont la pêche en quantité de la boîte vivante pour faire ça la pêche avec. Mais nous n'avons pas soumettre aucune information sur la pêche. Et pour nous, l'État nous peut faire aménagement et la pêche. Nous avons besoin de faire ce qui sont l'écosystème aussi. Tout. Il gagne manage bien.
Juste pareil, l'État nous a la piston qui nous fait si son by catch gain manage. Nous besoin faire si aussi tout bonne les autres. La peste qui affecte l'écosystème, mais aussi il gagne manage bien, qu'il pas gagne détruit. Et une troisième proposition, il base le spécifiquement ça qui m'a mentionné by catch. À cause pour le moment, dans UTC, il y a une résolution qui empêche ban bateau personnage. Zedzout ban by catch ban qui bon pour consommation humaine. En effet, ça y a une proposition qui cesse, nous qui tient la première fois sur la table depuis 2009 et nous continuons à pousser ce que les ingrédients ont adopté. Mais là, nous avons vu l'asile. À cause, il y en a les autres la peste aussi, tout, qui les autres la peste, les autres rencontrent ban, les autres la peston, les autres ban, les autres poissons, qui aussi bon pour consommation humaine, qui pour le moment peut gagner zété bakatsi. Mais nous pouvons demander qui tout ça bon poisson qui bon pour conception humaine. Of course, nous besoin faire c'est qui bonne espèce protégée, pas gagner retenir, mais tout ça qui bon pour conception humaine, de ban les autres la peste, bit long line, bit pollen line aussi tout, il gagne retenir à bord, at least il capable aider pour alimenter sécurité alimentaire et aussi tout développer une activité économique de sa ban les autres pays. Monsieur Clay CG est aussi une proposition concernant la restriction ou bien même la fin de l'utilisation radio qui a été ici indiscrite Lola l'année passée. Une proposition qui vient de la table pour faire avec sa cisée Fad Closure. Et nous la cisée, nous faisons une analyse économique, quelle quantité est capable d'affecter ces cellules s'il y en a un Fad Closure pareil qui peut gagner. Proposé encore, qui est exactement de même l'ampleur qui s'est proposé l'année passée. Et par contre, il y en a encore ben, des autres propositions qui sont à la table. Il y en a des trois pays qui sont regroupés pour amener des propositions pour redistribuer qui m'a dit qu'il y a un quota. Il n'y a pas tasé. Et nous connaissons pour dire qu'il y en a des pays qui nous objectent avec sa résolution, qui n'a pas nécessairement faire sa contribution pour les autres, faire ce qui ça la paix si capable de gagner rebuild. So, nous avons besoin de faire c'est qu'aucune résolution qui gagne mettre l'eau à la table, qui gagne discuter, il gagne discuter d'une façon qui est équitable. Nous avons besoin de tout la paix, nous avons besoin de tout l'économie, et faire c'est qui n'a pas qui défavorise un pour favoriser l'autre. Et nous aussi besoin de faire c'est qui nous mettre l'intérêt social aussi tout en premier compte, à cause pareil qu'on connaît nous l'économie est extrêmement dépendant. Le secteur de la pêche, sauf ça y a un secteur qui nous a besoin pour aussi faire ce qui nous préserve. Pour sa session IOTC, pour faire les 13 jusqu'à 17 mai, Bangkok, Thaïlande. Fabiana Belize, il vainquait la Coupe président. Il parmi 217 étudiants qui ont gagné un certificat et diplôme dans plusieurs cours qu'ils ont fait pour le centre professionnel l'Institut Technologie SIT. Fabiana a fait diplôme dans Information System Engineering, cérémonie qui fait côte centre conférence internationale après-midi, de présence vice-président Ahmed Afif, speaker de l'Assemblée nationale, plusieurs ministres, secrétaire principal, membre de l'Assemblée nationale et parents bon graduates. Fabiana a dit que c'est avec beaucoup de sacrifices et support qu'il gagne sa prix. Youth Hostel a célébré 25 ans depuis qu'il existait. Une cérémonie a été faite hier pour célébrer l'existence de cet endroit qui permet plus que 1500 étudiants sortis prendre la digue capables de continuer l'étude. Youth Hostel a ouvert son la porte avec un étudiant en 1999. Cet endroit a permis de plusieurs jeunes professionnels sortis prendre la digue capables de continuer l'étude. Quelque chose qu'ils ont dit, ils font autres très reconnaissants envers cet endroit. Alissa Barbé et Dixon Cizet, ils parmi sa plus qui 1500 étudiants qui ne restaient au hostel sa dernière 25 ans, ils ont dit malgré ils ont loin avec d'autres familles, ils ont l'expérience ien qui est très positive. Moi sorti la JIC et mon père représente l'éducation contre le hostel. Moi j'ai commencé l'année passée. Et mon premier jour, je suis chai, je suis chai, je ne suis pas capable de contourner mon maillon. Et que les temps plus tard, je suis capable de couper tout. Et pour ça, je suis comme si j'avais le courage pour mon maillon. Si tout ça, je suis là, je suis capable de mingler ensemble. Nous sommes comme si, et vos familles, nous sommes capables de vivre là-dedans.
Mon compte l'académie business, mon peu study diploma in business management et l'administration. Il y a un course 3 ans, il a mon dernier l'année. La vie sur hostel, il paraît la vie de la cour, mais seulement ici ce qui vous fait ou pour quelque chose. Et tout quelque chose, il y a normal, vous commencez vous-même, vous lavez vous-même, vous faites un problème pour study et time management, vous jouez un grand rôle ici. Le temps est peu adresse pour inviter pour une cérémonie pour Max à 25 ans Youth Hostel, directeur Youth Hostel Roger Alphonse, qui bon étudiant y appelle papa, frère et amis, les fêtes qui est directeur depuis au commencement tire trace par course à l'établissement. Mon corps rappelle, 25 ans passé, 1998, le temps mon tigan informé qui après Clotilde Noyès, elle en doit que je passe 17 ans. Mon père a fait pour venir prendre responsabilité Polytechnique Youth Hostel. Pareil, nous tous nous connaissons, les temps peut entrer dans un nouveau endroit qui ne fait fini construire, qui quantité de nettoyage, mettre l'ordre, etc. Mais avec l'entourage, ça va travailler déterminé de mon côté, nous avons fait sa premier pas pour sa grand voyage. Janvier 1999, nous recevons nos deux premiers étudiants. Moi, je me rappelle, Samantha Bibi avec Kevin Renault, des étudiants dans l'école de la santé. J'ai appris à suivre par un groupe 34 les autres étudiants dans différents départements polytechniques. Avec décentralisation dans le centre professionnel, Hostel qui sent son nom pour appel simplement Youth Hostel. Mais, parti pour longtemps encore, tu sens son nom pour une troisième fois et quand tu appelles Anse Royale Youth Hostel. Ça, tu après consultation avec la communauté. Nous sommes d'accord avec la proposition. Une proposition qui a été faite par Mme Sylvain Lemel, qui est simplement un administrateur district à ce moment. Logo qui nous encore peut servir jusqu'à aujourd'hui avec sa moto. En bas, même toi, dans solidarité pour un meilleur avenir. Un moto qui prend 10 guides d'un étudiant, mais une vraie source, l'inspiration qui a dans la communauté en soyale et dans tout course la société. Pour une réussite, le temps voir Banzen qui passe à travers Hostel pour entreprendre différentes responsabilités qui peuvent faire bouger les autres communautés. 25 ans après, qui s'est posé en mars, je débute fier et moi dit merci. Tout le monde de la communauté qui amène notre soutien envers Hostel. À côté, M. Alphonse, il y a aussi un an travailleur Hostel qui est là depuis le commencement, parmi Mme Laurette Philo, qui en a 24 ans depuis qui travaille côté de Hostel. Mon maman est un peu malade, elle est malade, elle ouvre plus près. Et comme mon lacou, l'aime mon là ici tapé votre ouvrage, l'aime mon approche là mon gété. Est-ce que comment vous décrivez son travail lui-même? Son travail, il tape lui seulement pour donner ça la force, sa courage pour capable tenir. Si on a plusieurs activités pour célébrer sa 25e anniversaire, tel qui réflexion, chanson gospel et les autres chansons qui promouvoir positivité, tu aussi en an présentation certificat et token d'appréciation avec bon travailleur, résident et bon amis sa hostel. Tu aussi annoncé qu'il y a l'organisation pour bon résident Youth Hostel pour bientôt former. Ministre pour l'éducation, Dr. Justin Valentin, qui t'y parmi bon invité, Inassi si pour continuer son ministère pour bon étudiant et travailler Youth Hostel. Moi, nous de Youth Hostel, à part qui nous l'anniversaire, nous avons une connexion, et mon coin y a une connexion qui m'ont content, une bonne connexion. À cause des temps, mon cause avec mon zen de Youth Hostel, mon aussi cause avec les autres la vie, de la façon qu'ils ont devraient vivre dans sa petite communauté, à cause parfois les temps cause des autres, vous sentez, vous êtes un petit peu loin de la cour. Mais il est essentiel qu'ils ont là pour une raison, bonnes enfants. Ils ont là pour une raison. Et dans l'introduction, nous entendons que Youth Hostel, il crée
il crée en quantité la force dans ces cellules. La soirée se termine avec animation par Ben et aussi Bonne Résident. Bon anniversaire, on s'est donné mon anniversaire. Ma pluie dans sa chanson, son gars. Bon anniversaire, Youth Hostel et aussi tout bon travail, ça, l'institution. Dissable lance en CV, il commence à retourner. Même ça, Dibois pour gagner mété pour retenir sa bonne Dissable. Mais ça a l'érosion, il quitte en CV avec un semen cassé. Les officiers liaison la digue, l'ONCI Miko, qui dit qu'il y a une priorité pour sa semen. Ça, c'est SLTE qui est responsable. Et contacté, c'est Patrick qui gagne sa contrat pour lui faire. Quand il concerne sa piling, qui pour gagner faire, quelque chose peut bouger, nous commençons à gagner une piling, soit si par Alain, soit qui arrive à la digue, nous pouvons mettre au site, et si Yann finit faire design, contacté, il finit gagner identifié, contacté, puis faire matériaux, arrive au site, ça c'est piling, pour être capable de démarrer de sa louvage. Ça va une piling, comme ça, ça va une 10 bois qui sont de racines dehors, et pour descendre en descendant, commencement en l'air pour tarimer dans son marcos et pour descendre pour environ 225 mètres pour le moment. Manière pour renforcer les relations entre CCL avec Comore dans le secteur de la paix, tourisme, sécurité maritime, changement climat, export, Iban Cizé, qui est ambassadeur Claude Morel, a discuté avec le président Comore à Sali Assoumani. Ça a après qu'il présente son bon document d'accréditation comme ambassadeur CCL non résident pour Comore. Sa cérémonie s'est faite lundi le 15 samoa côté palais présidentiel Moroni. Pendant la causerie, M. Morel il aussi transmet félicitations pour président Comore Assoumani Sali Assoumani, l'Olapa président Wevel Romkalawan pour son efficacité et dynamisme qu'il montrait pendant qu'il était président de l'Union africaine l'année passée. Un communiqué la presse sorti côté département des affaires étrangères dit qu'action M. Assoumani il promouvoir progrès remarquable dans le processus d'intégration régionale, particulièrement en ce qui concerne lancement zone licence commerce libre l'Afrique. Ça permet l'Afrique capable de participer dans la gouvernance économique globale et côté joint groupe G20. Nous à présent passons l'anniversaire d'un homme qui gagne 100 ans aujourd'hui. Ça M. Willy Thérésine, il est célébré sur l'anniversaire aujourd'hui. Il y en a 9 madames qui en ont 100 ans et plus. Ici, c'est celle. Et M. Thérésine, pareil, m'a dit, il est seul homme. Pour célébrer son anniversaire, son bon enfant, son ami, la famille et bon invité spécial, qui passe sa la journée avec lui. C'est comme ça que M. Willy Thérésine y fête son 100e anniversaire, entouré avec sa bonne famille, ses amis proches et un bon invité spécial. M. Willy Thérésine y est habitant Forêt Noire. Il y en a 10 enfants, 7 garçons et 3 filles, 21 petits-enfants et 19 arrière petits-enfants. De parmi ce bon garçon, Edison et Ralph Thérésine, il dit qu'il y a une phrase qui marque d'autres que son papa y habite dit, c'est très bonne madame, très bien, mais de loin plateau. Il y a un homme très fort, bon exemplaire pour son bon enfant, grand travailleur. Basically, ça qui nous guide pour nous arrive pareil comme nous était aujourd'hui. Il me donne un conseil, concernant la vie qui m'a aidé pour en musique ou grandir, qui m'a aidé pour donner l'exemple aux autres, travail, bon exemple de travail. M. Thérésine, il est seul homme de 3 centenaires de district Montfleury. Son petit-enfant, il raconte la journée de son grand-papa, Maya Déoulé.
quand même un élève dans Nevers, dans un Nevers comme ça. Nous avons un cake, pour un breakfast, qui mange lui-même. So, nous préparer, nous donner, juste tâter, ou à qui boit, et puis assiser. Il peut manger, il peut avoir un dîner, il peut être content d'avoir un dîner chaud. Il peut dire qu'il a besoin de boire chaud. Mais people là, c'est super relax, solide, de la journée, écoute, t'attends la musique, puis jouer, et puis avant manger, de midi et demi, comme ça. Again, si on mange, lui-même, si nous préparer, pas mange beaucoup. Je dis tout le temps, il y a des gens qui vivent pour manger, mais ils mangent pour les vivre. So, comme si c'est un ticket pour les passer, Et puis là, après-midi, il y a un petit thé. Et puis ici, là, il y a un pari pour aller dormir. Pendant son parti, il y a plusieurs cadeaux. Vice-président présente-lui avec un poignet de la part président Wevel Ramkalawan. Il a aussi gagné un cadeau avec première dame Linda Ramkalawan. Il a gagné un poignet avec ministre pour la terre et la case Billy Ongasami. Un gâteau avec secrétaire principal pour le gouvernement local et les affaires communautaires Kevin Perrine, aussi bien qu'un cadeau avec membre de l'Assemblée nationale pour Montfleury, Michel Roucou, et aussi administrateur district Montfleury, Steve Noël. C'est Père Colin Underwood qui te donne bénédiction à M. Thérésine pour sa jour spéciale. M. Thérésine, par voix claire, mais est capable de causer et aussi en a son mémoire. Suivant un post qui peut circuler le réseau social, là, soit aussi c'est la compagnie CPEC qui dit il paraît que toute station pétrole CPEC est autorisée pour fermer, là, soit SBC a contacté le chef exécutif de la compagnie, Sarah Romain, qui dit que sa allégation est faux. Madame Romain dit que la station pétrole qui ferme, il ferme d'après les autres normales. Il dit que la station Victoria Sud et Nord, il est celle des stations qui fonctionnent loin base 24 heures et qui ont bon service encore disponible pour consommateurs. Et concernant l'information qui nous fait gagner sortie contre la police peut dire bon motoriste qui s'aimait highway pour aller vers Pointe-Larry est temporairement fermé en résultat d'un accident qui est arrivé. Motoriste peut gagner averti pour prendre beaucoup plus de précautions. Les temps aux autres peut servir la route Pointe-Larry à cause ses mains inondées et peut créer congestion trafic le tout les deux côtés. Et à part sa accident qui est arrivé, le semen qui peut aller vers Pointe-Larry, et aussi la police aussi dit qu'il y a un accident assez grave qui est aussi arrivé le highway. Nous terminons le bulletin pour aujourd'hui soir, merci pour suivre.